يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. الحمد لله على إنعامه وإفضاله، الحمد لله كما ينبغي لجلاله وجماله وكماله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحابته وآله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Chers frères, chers sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Le mois de Ramadan est à nos portes. Y avons-nous pensé? En sommes-nous conscients? Avons-nous pris conscience de la valeur de ce moment sacré? Sommes-nous prêts moralement et spirituellement pour vivre pleinement ce beau et béni? On a dit dans le vendredi dernier que Ibn Khuzaymah rapporte, selon Anas Ibn Malik radiallahu anhu, que lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam apercevaient le croissant du mois de Sha'ban, ils se consacraient à la lecture du Coran. Les musulmans versaient leur zakat afin de permettre aux nécessiteux de jeûner comme il se doit le mois de Ramadan. Les commerçants se dépêchaient de finaliser la gestion de leur commerce. Les prisonniers de délits mineurs sont amnistiés, leur donnant ainsi l'occasion de se racheter. Et dès qu'ils apercevaient le croissant du mois de Ramadan, ils se purifiaient et redoublaient d'efforts en termes de bonté, de générosité et d'adoration. C'est ainsi que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se préparaient pour vivre le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est une station spirituelle où le fidèle renouvelle sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, approfondit son engagement vis-à-vis d'Allah azza wa jalla. Comment pour nous, dans notre contexte, mes chers frères et sœurs, vivre pleinement ce mois de vie, tirer profit? La vie est courte et les moments, les instants les plus importants, ce sont ces moments-là. Vous savez que dans la vie des fidèles, il y a des moments, il y a des endroits, il y a des mois et des jours où l'accomplissement de bonnes œuvres est plus agréable à Dieu, est plus opportun. Et le mois de Ramadan en est un par excellence. Alors comment? En premier lieu, je dirais qu'il faut prendre conscience de la valeur du mois de Ramadan. Abu Mas'ud al-Rifari, hadith rapporté par Ibn Khuzaymah dans son authentique, disait: j'ai entendu dire le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam alors que le Ramadan était en cours, si ma communauté savait ce qu'est Ramadan, si les gens savaient ce qu'est réellement Ramadan, ma communauté aurait souhaité que toute l'année serait Ramadan. Dans un autre hadith, le prophète sallam interrogea les compagnons: savez-vous ce que vous accueillez, ce qui vous accueille? Savez-vous ce que vous allez accueillir? Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu disait au prophète: est-ce une nouvelle révélation? Il a dit non. Il a dit: est-ce un ennemi qui rôde autour de nous? Il a dit non plus. Il a dit: et quoi au prophète, au messager de Dieu? Et le prophète lui a dit: à la première nuit du mois de Ramadan, Dieu absout les péchés de tous ceux qui se revendiquent de cette qibla. Il l'a désigné de sa main. C'est un grand privilège de se savoir visé par ce hadith. Le mois de Ramadan, c'est le mois des pardons par excellence. C'est le mois de la réconciliation avec Dieu. C'est le mois de la mutation éthique où chacun, chaque fidèle, chaque homme ou femme aspire justement à fortifier, à approfondir, à goûter la douceur de la proximité de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, il convient, mes chers frères et sœurs, pour mieux accueillir le mois de Ramadan, c'est de maîtriser, de connaître les règles des jeûnes. Vous savez, en islam, le savoir est prioritaire par rapport à l'action. Le savoir avant la parole et l'action. Le savoir est le guide de l'action. Donc avant de jeûner, il convient que pour chaque fidèle, chaque frère et sœur, d'apprendre comment jeûner, pourquoi jeûner, etc. Troisième chose, mes chers frères et sœurs, il convient pour nous que le mois de Ramadan, c'est le mois des Corans par excellence. Les récitations que nous faisons pendant le mois de Ramadan, pendant les prières de Tarawih,
C'est une célébration de la descente du Ramadan qui a été révélée pendant ce mois de nuit. Donc lire le Coran, le réciter, le méditer et l'écouter. On continuera, inshallah, dans la prochaine khutbah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب وصفوة الخلان قد رضيت بكل ما قد ذقته.